m'appelle Gilles, j'ai 20 ans, je suis prof d'électro, j'ai arrêté l'école pour la danse. D'accord. Je fais du new style, du pin free, tout. Mais la base, bah, c'est l'électro. D'accord. Et tu fais ça où? T'es prof d'électro, ça? C'est à Boulogne, bien quoi. À Boulogne? Voilà. Pin free, électro, du style. New style, raga aussi, j'ai commencé cette année. Finalement, t'as l'esprit. T'es genre danseur. Okay. D'accord. Et là, tu veux danser sur, sur quoi? L'électro, et bon, bah, après, si vous voulez, bah, sur du pin free. Ok, d'accord. D'accord. Whip it real hard. Est-ce qu'on peut mettre un peu de Quinfri? J'aimerais bien quand même. Un peu de... Le son afro, s'il vous plaît. DJ, please. Écoute Gilles, moi j'ai bien kiffé, je trouve que t'es complet. Des bonnes décompos en électro, des bonnes constructions, il y avait du flow. On voit que t'es un danseur confirmé, donc ça fait plaisir. Et en plus, tu nous as surpris aussi en afro. En tout cas, pour ma part, tu m'as surpris en afro. Et je trouve que tu corresponds franchement, tu corresponds vraiment au projet. Au profil. Parce que la deuxième partie du casting, ça va être une choré avec un petit peu d'électro et un petit peu de quinfre. Donc là... je t'ai senti à l'aise dans les deux styles, donc pour moi c'est un grand oui. Merci. Merci. Je suis enchanté, Gilles, prof d'électro et de quinfre. Pour moi aussi ça va être un oui. Merci. La partie technique, finalement je la laisse aux techniciens. Moi en tout cas, le profil, j'aime bien. Donc c'est un oui pour moi. Et merci. Pressé de te revoir au deuxième casting. Et moi, un oui aussi. Merci beaucoup. C'est cool. Merci d'être passé. Et bon courage pour cet après-midi. À bientôt, Gilles. Ah, on va faire au mieux. Gilles, merci. Au revoir. Au revoir. Bah, je m'appelle Nehemia. J'habite à Sarcelles. D'accord. Je danse le coupé décalé. Dans mon quartier, on me surnomme Skyno. Si, si. Skyno. Un Guadeloupéen qui danse le coupé décalé. Propre. Décalé quoi? Gilles, Madame, oui. Comment t'as trouvé Gilles? Je l'ai trouvé bien, mais maintenant je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'échanges avec nous. Oui. Sinon, il n'est pas été là, mais j'ai vu de meilleurs danseurs. Et comme pour le projet, on ne peut pas en prendre des masses. Le micro, s'il vous plaît. Comme pour le projet, on ne peut pas en prendre des masses, pour moi, ce sera un non. Pas parce que tu danses mal, parce qu'il y a un meilleur niveau. Pour ma part, moi, j'ai bien aimé ce candidat. J'ai trouvé qu'il a fait 2-3 phases, en tout cas propres à mon goût. Encore une fois, sur les termes techniques, bah, c'est toi qui finalement a le dernier mot. Pour moi, c'est un oui. Je veux te revoir sur la prochaine phase du casting, mais en forme. Et justement, si tu peux donner plus, enfin, si bien sûr Chris est convaincu, si tu peux donner plus, bah, bah voilà, enfin. Bah moi, moi j'ai bien kiffé ta bulle. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'échange, tu regardais par terre. J'ai même fait des signes pour essayer que tu nous donnes un petit peu. Mais après, je sais pas que, je sais pas techniquement ou si c'est une danse aussi Non, si, il y a des phases où il peut être justement dans son monde, ça fait... mais après, moi, comme j'ai dit, par rapport à ce qu'on a déjà vu, ouais, pour moi, c'était léger. Après, si, comme il dit, il peut donner plus, ok, mais moi, je reste sur mon nom. Après, si toi, tu dis oui, il n'y a pas de problème, justement, ouais, on verra bien s'il peut donner plus. Ok, bah moi, je vais dire oui, et puis j'espère que tu donneras plus à la seconde partie du casting, à savoir qu'il y aura une choré, et c'est cool. Simplement. Bon, bah, c'est cool. D'accord, je vais dire. Attention, tu nous as dit justement qu'on allait voir la prochaine phase, prof, on compte sur toi. Je mets un point d'exclamation. Il a dit le au revoir. À bientôt. À bientôt la famille.